بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage et l'application de la science de la religion. Aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, on va parler du chapitre des péchés des yeux. Ça ne va pas être long. D'ailleurs, je ne vais pas lire le texte de ce livre en arabe, mais je vais directement vous faire un résumé en apportant quelques modifications par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Pourquoi ? Parce que concernant les péchés des yeux, il y a eu quelques divergences entre les savants au sein même de l'école chafirite. Et je vous rappelle que l'auteur de ce livre est un savant chafirite, même si concernant les chapitres des péchés, beaucoup de péchés se rejoignent et sont les mêmes, quelles que soient les écoles. Mais ce savant, il a suivi une direction au niveau de certains sujets concernant les péchés des yeux, qui n'est pas la direction qui a été... Il a suivi une direction concernant certains péchés des yeux qui n'est pas celle d'autres savants de la même école. Et nous, on va suivre ce sur quoi sont les autres savants. Il y a une divergence, par exemple, entre l'imam al-Nawawi et l'imam al-Rafi'i. Dans l'école chafirite, en général, quand l'imam al-Nawawi et l'imam al-Rafi'i sont d'accord, c'est l'avis que tous les chafirites suivent. Mais il y a parfois des divergences entre l'imam al-Nawawi et l'imam al-Rafi'i. Et sur ce point-là, que je vais citer, incha'Allah, l'imam al-Nawawi a dit quelque chose, mais d'autres savants qui sont encore plus forts, comme l'imam al-Bulqini, ils ont dit autre chose. Bref, je ne vais pas lire le texte, mais je vais vous résumer le chapitre, sans que ce que je dis soit exactement ce qui est écrit. C'est compris ? Pour faire preuve d'honnêteté et de ne pas attribuer à l'auteur quelque chose qu'il n'a pas dit, alors que lui, il voit les choses autrement. Parmi les péchés des yeux, c'est-à-dire les choses qu'Allah Ta'ala nous a interdit de faire avec notre œil, avec nos yeux, il y a pour un homme de regarder le visage ou les mains d'une femme ajnabiyya avec plaisir, avec du désir. Une femme ajnabiyya, c'est quoi ? C'est une femme qui ne lui est pas inépousable à jamais. C'est une femme étrangère. Il pourrait l'épouser un jour, peut-être. C'est possible que là, tout de suite, il ne peut pas l'épouser parce qu'elle est déjà mariée. Donc là, elle est inépousable maintenant. Mais peut-être que dans le futur, il pourrait l'épouser. Donc, elle n'est pas inépousable à jamais. Cette femme-là, qui est étrangère à lui, donc ce n'est pas sa sœur. Sa sœur est inépousable à jamais. Il ne peut pas se marier avec sa sœur, jamais de la vie. Sa mère est inépousable à jamais, c'est une mahram. Sa tante est inépousable à jamais. Sa nièce est inépousable à jamais pour lui. Mais sa voisine, qui n'est pas de sa famille, c'est une étrangère, c'est une ajnabiyya. Il n'a pas le droit de regarder son visage en éprouvant du plaisir à la regarder. Si jamais ça arrive, il doit détourner le regard. Il n'a pas le droit de regarder ses mains avec du plaisir, avec de la shahwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'imam Ali radiyallahu anhu: La tutbi'in nazratan nazra, fa inna laka al-oula wa laysat laka al-thaniya. Ne fais pas suivre ton regard par un autre regard. Tu as le droit au premier mais pas au deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, sans faire exprès, tu regardes une femme, tes yeux tombent sur une femme ajnabiyya et qu'elle est
tu la trouves belle, tu prends du plaisir à la regarder, instantanément, tu n'as pas fait exprès de la regarder. Ton regard s'est posé sur elle. Qu'est-ce que tu fais? Tu détournes ton regard. Le premier regard, tu n'as pas commis de péché parce que tu n'as pas fait exprès. Le deuxième regard, il est volontaire. Donc de chercher à la regarder parce que tu trouves du plaisir à la regarder, ça c'est haram. Et que personne ne se dise, bon ben moi je tombe sans faire exprès sur elle et après je ne la fais pas suivre d'un deuxième regard. Non, c'est mon premier regard que je vais prolonger, comme ça, ça reste mon premier regard. Non, ça ne marche pas. Parce que si un homme discute avec une femme qui est ajnabiya, pas, ils ne sont pas isolés. Ils discutent dans un endroit public et il y a du monde autour par exemple. Et qu'il regarde son visage. Le premier regard est prolongé. Il ne trouve pas du plaisir à la regarder. Puis, petit à petit, dans la conversation, il se met à trouver du plaisir, alors il doit détourner le regard. Même si c'était à la base le premier regard prolongé. C'est compris? Deuxièmement, depuis tout à l'heure, je parle de regarder son visage et ses mains avec désir, en éprouvant du plaisir à la regarder. En revanche, le fait de regarder son visage et ses mains sans désir, sans plaisir, ce n'est pas haram. Contrairement à ce qu'ont dit certains savants. Il y a des savants qui sont allés jusqu'à dire « t'as pas le droit de regarder la femme du tout ». Et ce n'est pas l'avis retenu. Vous comprenez? Regarder son visage et ses mains sans plaisir, sans y éprouver du désir ou du plaisir, ce n'est pas haram. Pour ce qui est maintenant du reste du corps, autre que le visage et les mains, c'est interdit pour un homme de regarder le corps d'une femme qui est autre que son visage et ses mains, c'est-à-dire la aura de la femme. C'est ça, sa aura, sa zone de pudeur à la femme, pour un homme ajnabi, c'est tout son corps sauf le visage et les mains. C'est interdit de le regarder avec ou sans désir. Et encore une fois, si tu es dans le RER, ou tu es dans le bus, ou tu es dans la rue, et il y a une femme qui est habillée en t-shirt, donc on voit ses bras, et elle n'a pas de voile, donc on voit ses cheveux, sa chevelure, et toi tes yeux tombent sur elle, et tu vois ses parties du corps, le premier regard n'est pas interdit, tu n'as pas fait exprès. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois immédiatement détourner le regard, et ne pas le faire suivre par un deuxième regard. Et ce regard-là, sur la femme ajnabiya, dans sa zone de pudeur, c'est-à-dire autre que son visage et ses mains, il est interdit que ce soit avec ou sans désir. Est-ce que ce point est clair? Deuxième point. La zone de pudeur de l'homme devant la femme ajnabiya, donc à l'envers. C'est ce qui est entre son nombril et ses genoux. Donc il est interdit pour la femme de regarder ce qui est autre qu'entre le nombril et les genoux, avec désir de regarder un homme ajnabi dans sa zone qui est autre que sa zone de pudeur, donc autre qu'entre le nombril et les genoux, mais avec plaisir, c'est haram. Donc, si elle tombe sur lui, ses yeux tombent sur lui, et elle éprouve du plaisir à le regarder, c'est un devoir pour elle de retirer son regard. Et elle n'a pas le droit de le faire suivre par un deuxième regard. Si elle le regardait au début, par exemple, elle discutait avec lui, elle voyait son visage, et elle n'éprouvait pas de plaisir. Et petit à petit, le plaisir est arrivé. Alors elle détourne le regard, elle ne le regarde plus. Et pour ce qui est de la zone de l'homme qui est comprise entre le nombril et les genoux, elle n'a pas le droit de regarder du tout, avec ou sans désir. Dans l'école chafiaïte, les cuisses font partie de la zone de pudeur de l'homme. Donc la femme n'a pas le droit de regarder les cuisses d'un homme. D'accord? Maintenant, tout comme il est interdit pour l'homme de regarder la zone de pudeur de la femme, et il est interdit pour la femme de regarder la zone de pudeur de l'homme, ça va de soi, comme on dit, ça va sans dire, mais disons-le quand même, il est interdit pour la femme de découvrir sa zone de pudeur devant un homme ajnabi, c'est-à-dire de découvrir une partie de son corps qui est autre que le visage et les mains, devant un homme ajnabi, un homme étranger, qui n'est pas son frère, qui n'est pas son père, qui n'est pas son oncle, qui n'est pas son neveu.
quelqu'un qui n'est pas son mari non plus, mais avec qui elle aurait pu se marier. Et il est interdit pour l'homme de découvrir sa zone de pudeur, donc ce qui est entre le nombril et les genoux, devant une femme ajnabiya. C'est bon pour tout le monde ? Là, on a fait la moitié du chapitre. Maintenant, quand on parle du même genre, donc les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, dans l'école chafiite, parce que ce sujet, c'est un sujet qui fait l'objet de divergences entre les écoles, la zone de pudeur de l'homme devant un autre homme, c'est la même que sa zone de pudeur devant une femme, ajnabiya. Donc, il doit couvrir entre le nombril et les genoux. Ça, c'est dans l'école chafiite. Parce que dans d'autres écoles, certains savants ont dit que c'est juste les parties intimes, la zone de pudeur de l'homme. Ça ne va pas du nombril jusqu'au genou. Il y a divergence sur ce sujet. Donc n'allez pas vous attaquer à une personne, à un homme, que vous voyez à la plage et qu'il a découvert sa cuisse. Il a un short qui est court, par exemple. Ça fait l'objet de divergence. On n'est pas brusque et dur et strict sur un sujet qui fait l'objet de divergence. Peut-être que cette personne suit une autre école. Donc, un homme avec un homme dans l'école chafiite, sa zone de pudeur, c'est du nombril jusqu'au genou. Donc, il est interdit de regarder, il est interdit qu'un homme regarde la zone de pudeur d'un autre homme, c'est-à-dire ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Ça, c'est dans l'école chafiite. Entre femmes, la zone de pudeur entre femmes musulmanes, c'est également entre le nombril et les genoux. Entre femmes musulmanes, la zone de pudeur, qu'il n'est pas permis de regarder entre elles, c'est ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Et à chaque fois que je dis entre le nombril et les genoux, le nombril et les genoux ne sont pas inclus dedans. Mais forcément, tu vas avoir besoin de couvrir un minimum du genou pour être sûr d'avoir couvert ce qui est au-dessus. Et tu vas devoir couvrir un minimum du nombril pour être sûr d'avoir couvert ce qui est en dessous. Mais sinon, le nombril en tant que tel et les genoux ne font pas partie de la zone de pudeur. Les hommes entre les hommes, c'est du nombril au genou. Les femmes entre les femmes musulmanes, c'est du nombril jusqu'au genou. Donc c'est interdit entre hommes de se regarder les zones de pudeur les uns des autres. Et c'est interdit de regarder ce qui est autre que la zone de pudeur avec désir. C'est haram aussi qu'un homme regarde un autre homme en éprouvant du plaisir, il doit détourner le regard, si jamais ça arrive. Et les femmes, c'est pareil. Elle a le droit de regarder ce qui est autre que le nombril et les genoux d'une autre femme, tant qu'il n'y a pas de désir. Donc, si jamais elle éprouve du plaisir à regarder une autre femme, même dans autre que sa zone de pudeur, c'est un devoir pour elle de détourner le regard. Maintenant, avec les mahrams, c'est-à-dire avec les personnes qui sont inépousables à jamais. Les zones des pudeurs dans l'école chafiite, que ce soit celle des hommes ou celle des femmes, c'est du nombril au genou. Contrairement à l'école malikite. Dans l'école malikite, la femme ne dévoile pas devant son frère ou devant son père ou devant son oncle, sauf les extrémités de son corps, c'est-à-dire sa tête, une partie des bras, une partie de au-dessus des pieds, et puis c'est tout. Elle n'a pas le droit de montrer sa poitrine devant un homme mahram, dans l'école malikite, ou son dos devant un homme mahram. Mais dans l'école chafiite, la zone de pudeur de la femme, même si ça peut étonner certains, mais c'est en fonction de la culture, de la personne, dans l'environnement dans lequel il a vécu. Mais dans la loi, dans l'école chafiite, la zone de pudeur de la femme devant un homme, de sa famille qui est mahram, qui est inépousable à jamais, c'est entre le nombril et les genoux. C'est clair pour tout le monde ? Dans l'école chafiite, troisième point, donc on a parlé devant des ajnabis de sexe différent, ensuite on a parlé devant des personnes de même sexe, ensuite on a parlé des mahrams, donc on a vu trois points. Donc maintenant, quatrièmement, il est interdit dans l'école chafiite pour un homme ou pour une femme, quand il est tout seul, quand elle est toute seule, de dévoiler sa zone de pudeur sans excuse. Comme ça,
il veut être tout nu à la maison, sans excuse. Même s'il n'y a personne qui le regarde, il est tout seul à la maison. Dans l'école Shafi'ite, c'est haram, contrairement à l'école Malikite. Ça fait l'objet de divergences. Et nous, on n'est pas là à dire, ouais, mais lui, il a raison, l'autre, il a tort. Nous, on n'a pas le niveau. Nous, juste, on sait ce que les savants ont dit et on suit les savants. C'est quoi la zone de pudeur de l'homme quand il est tout seul? C'est pas entre le nombril et les genoux. C'est les parties intimes. Il n'a pas le droit de dévoiler ses parties intimes sans raison, sans excuse. Et les excuses sont nombreuses. S'il veut aller aux toilettes, forcément, il va se déshabiller. S'il veut prendre une douche, il peut se déshabiller. S'il veut avoir un rapport intime avec sa femme, il peut se déshabiller. S'il a trop chaud, il fait trop chaud, il peut se déshabiller. Mais se déshabiller parce qu'il est tout seul comme ça, parce qu'il aime bien vivre nu, ça c'est haram dans l'école Shafi'ite. La zone de pudeur de la femme quand elle est toute seule, c'est pas comme l'homme, les parties intimes seulement. C'est entre son nombril et ses genoux. Donc elle ne dévoile pas, sans excuse, sans raison, ce qu'il y a entre son nombril et ses genoux, même si elle est toute seule. Et les excuses, comme j'ai dit, elles sont nombreuses et j'en ai cité des exemples. Le fait d'avoir trop chaud, le fait d'avoir besoin de prendre une douche, de se rafraîchir, d'aller aux toilettes, d'avoir un rapport intime avec son mari, etc. Est-ce que c'est bon pour ce quatrième point? Cinquième point. Parmi les péchés des yeux, il y a le fait de regarder ton frère en islam avec mépris. On l'a déjà vu où? Dans les péchés du cœur, quand on a parlé de l'orgueil. Mais ce péché, il est lié au cœur et il est lié aux yeux également. C'est pour ça que les savants, ils en parlent dans les péchés du cœur et ils en reparlent dans les péchés des yeux. Parce que l'autre, il est plus pauvre, donc il regarde d'un air hautain en le méprisant. C'est haram et c'est un grand péché. Ou bien l'autre, il a un corps tout menu alors que lui c'est barracuda. Et donc il regarde l'autre musulman avec mépris parce qu'il le voit tout petit, tout fin. Alors que lui il est super musclé. C'est haram, on ne méprise pas son frère. Sixième point, et ce sera le dernier. Il est interdit de regarder dans la maison d'autrui sans sa permission. Sans qu'il n'accepte. De regarder les choses que ça le dérange que tu regardes. Dans sa maison, il y a sa femme, il y a sa sœur, il y a sa mère, il y a des mahrams de sa famille. C'est des choses pour lesquelles il a de l'honneur et de la pudeur. Il refuse, il n'accepte pas qu'on vienne regarder, épier ce qu'il y a à l'intérieur de sa maison. Donc regarder par la fente d'une porte ou par un trou ce qu'il y a à l'intérieur de sa maison, de la maison d'autrui, c'est haram. On n'a pas le droit. Voilà, tajassassou, ne vous épiez pas les uns les autres. Également, le fait de regarder dans les affaires des autres sans qu'il accepte, ce n'est pas forcément sa maison. Même entre frères, lui il a sa bibliothèque, il a ses tiroirs et son placard, l'autre il a sa bibliothèque, son tiroir et ses placards. S'il n'accepte pas que son frère vienne fouiller dans ses affaires, il n'a pas le droit de fouiller dans ses affaires. C'est haram. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Pour l'isolement, ça peut être n'importe qui. Par exemple, un homme et deux femmes, ça fait que ça a coupé l'isolement. Il y a divergence entre les savants, mais oui, la réponse est oui. Par exemple, tu prends l'ascenseur. Tu ne vas pas prendre l'ascenseur s'il y a une seule femme dedans, parce que vous allez vous isoler dans un endroit où il n'y a pas une tierce personne. S'il y a une autre femme qui rentre dans l'ascenseur, là c'est bon. Ou un autre homme, là c'est bon. Il a dit à propos de la zone de pudeur entre femmes musulmanes, c'était le nombril, entre le nombril et le genou. Mais du coup, une femme musulmane avec une femme musulmane, c'est quoi? Il y a divergence. La femme préserve son corps devant les femmes qui ne sont pas musulmanes. Et donc, certains savants ont dit, il est permis pour la femme musulmane de dévoiler devant la femme non musulmane seulement les parties qu'elle dévoile quand elle fait le ménage. Donc, la tête, un peu des bras, un peu de au-dessus des chevilles, et puis c'est tout, mais pas plus. D'accord, merci. Et il y a divergence sur le sujet. D'accord ? Barakallahu fikoum. On s'arrête là ? Inch'Allah.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.